I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. It's strange.
time is unfair, 'cause I know you're out there somewhere, patient waiting a new air, feeling like your grip might slip too soon. But I'm running, chasing speed and gunning, I'll be right there all of a sudden. I feel your heartbeat lead me straight to you. It's strange. Pour frapper le premier corner pour l'équipe de France. Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. But de Zidane. Zidane sur ce premier corner français place un coup de tête magistral et ouvre le score alors que l'on joue depuis 27 minutes. Corner rentrant d'Emmanuel Petit. Et vous voyez que sur l'action de Lilian Thuram, il est allé jusqu'au bout. Il a obligé Roberto Carlos a concédé ce corner. Corner tiré au premier poteau. Temps additionnel. Ah bah oui, on est déjà à 45-42 alors. Oui. Djorkaeff. Et but ! Zidane ! Deuxième but de Zidane ! Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait. Il y a eu deux corners. Et c'est le doublé de Zinedine Zidane. Juste avant la mi-temps, l'équipe de France mène 2-0 face au Brésil au Stade de France. Et je crois que les Français ont pris deux fois le ballon de la tête à la défense brésilienne. Deux fois sur les corners. Et deux fois Zinedine Zidane. Corner de la gauche tiré par Michel Platini. Zinedine Zidane, une fois Zinedine Zidane, deux fois. Avec un, effectivement. Ça va passer, ça va être bon pour l'équipe de France. 1 minute 15. La reprise, les Brésiliens se marchent dessus. Allez, Christophe Dugarry, il faut qu'on compte à l'effort. Christophe Dugarry avec Vieira sur le côté gauche. Le voici, Patrick Vieira. Emmanuel Petit est monté. Il va le mettre. Emmanuel Petit. Oui. Ouais. C'est gagné pour l'équipe de France. Bravo Emmanuel Petit.
10.0. La France est championne du monde. Extraordinaire. Et il le mérite, Emmanuel Petit, parce qu'il a été grand, très très grand dans cette Coupe du Monde. Fantastique, fantastique ce dernier contre. Et ça y est, on y est. Imaginez un petit peu, l'équipe de France mène 3-0 face au champion du monde en titre, quadruple vainqueur de l'épreuve. L'équipe de France réduite à 10 est magique. Ce contre superbement mené par Christophe Nougari sur Vieira, une passe instantanée sur Emmanuel Petit, tir croisé et but. Ah, ils ont bien combiné les deux joueurs d'Arsenal. Bonne remise de Vieira et cette frappe du pied gauche croisée, pas trop fort. C'est terminé. L'équipe de France rentre dans l'histoire. L'équipe de France devient championne de la championne. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, deux buts de Zidane, un but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied ! Ah, quel pied ! Oh putain ! Oh là 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 ! Oh ! Oh, c'est pas vrai ! Oh, c'est pas vrai !